Depuis que les hommes existent, le ciel est le domaine du divin. Histoire de l'aviation. La conquête du temps, l'ère du jet. Les sensations procurées par le pilotage sont très particulières. C'est dû à la position dans laquelle on est, à la possibilité de voir l'horizon qui n'apparaît pas de la même façon que lorsqu'on est au sol, à la liberté de mouvement, à la possibilité de voir la Terre de haut en bas ou de bas en haut. Voler dans l'espace, c'est un peu comme regarder par une fenêtre et voir passer une planète d'une beauté incroyable. C'est une expérience personnelle d'une richesse et d'une profondeur qui vont bien au-delà de la technologie qui permet d'aller là-haut. L'homme a effectué bien des progrès depuis les premiers rêveurs qui regardaient les oiseaux s'élever majestueusement dans le ciel immaculé, en passant par De Vinci, Montgolfier, Cayley, Lilienthal, par les frères Wright, dans le sillage de Rickenbacker, Lindbergh, Doolittle et d'Amelia Earhart. Sur ce chemin magique, les visionnaires de l'aviation, Northrop, Boeing et Douglas, ont mis en place des lignes reliant les quatre coins du monde. Les océans ont été parcourus par des hydravions et des gros porteurs. Mais la conquête du ciel ne s'arrête pas là. Elle se poursuit jusqu'à la Lune et au-delà. Ce désir de voler, d'aller plus loin que notre environnement immédiat, est quelque chose de constant chez l'homme. Je crois que c'est un besoin instinctif chez l'homme, fondamental. La curiosité le pousse à aller découvrir ce qui se cache au-delà de son horizon. Je crois que la seule limite est l'imagination de l'homme. Au début, l'avion était une curiosité. Puis il est devenu un objet de fascination et finalement une obsession. Depuis les premiers vols d'attraction, en passant par les vols commerciaux, jusqu'aux vols de libération qui ont eu lieu dans le ciel d'une Europe déchirée et celui du Pacifique pendant la Seconde Guerre mondiale. La Seconde Guerre mondiale devait changer le destin de l'aviation à jamais. Jadis, affaire d'utopistes, d'industriels ou de casse-cou, l'aviation allait devenir celle des États qui voulaient protéger leur territoire. Dès le début de la guerre, il apparut que la supériorité aérienne serait déterminante pour une victoire des Alliés sur les puissances de l'Axe. L'Amérique était entrée dans la Seconde Guerre mondiale avec les biplans encore en service dans l'aviation militaire. Elle termina la guerre avec certains des avions à hélice les plus puissants jamais construits. Il y eut une époque où l'on pensait qu'on ne ferait jamais mieux comme appareil à moteur à piston que le Mustang P-51. Le Mustang était un bon avion. Ce fut sûrement le meilleur appareil de combat jamais construit pendant la guerre. Il avait un très bon comportement à haute altitude et à basse altitude à un très long rayon d'action. Il pouvait échapper à la plupart des autres avions. Il était rapide. Il montait très haut.
Il était confortable et sa puissance de feu était redoutable. Jusqu'à ce que les Allemands sortent le ME-262, nous ne regardions jamais en haut, car nous savions qu'ils ne pouvaient pas voler plus haut que nous. Les ingénieurs et les chercheurs avaient compris que pour aller plus vite, on avait besoin d'un nouveau système de propulsion. L'ère de l'avion à réaction commença à la fin des années 30. Sans le savoir, deux génies de la technique, l'anglais Frank Whittle et l'allemand Hans von Hohein, inventèrent simultanément le processus du moteur à réaction. Les Allemands gardèrent l'invention pour eux. Ils eurent de nombreuses réussites. Ils produisirent des appareils de combat à réaction en grand nombre vers la fin de la guerre. Nous avons commencé à développer ce moteur après le vol du Gloucester B-28-39 des Britanniques en mai 1941. Ils ont fait savoir au général Arnold qu'ils avaient trouvé quelque chose qui pouvait influencer l'issue de la guerre. Il leur a demandé de recevoir une équipe d'ingénieurs pour se rendre compte. Quand ils sont revenus à Washington, ils nous ont recommandé de coopérer. Alors, les Britanniques nous ont donné le moteur Whittle et nous l'avons transmis à la General Electric. L'issue de la guerre était encore incertaine. Le secret total sur le développement de l'avion à réaction par les Alliés était nécessaire. L'accord que nous avions conclu comprenait des mesures de sécurité très strictes. Les Britanniques avaient une telle peur des fuites de renseignements qu'ils nous ont imposé des mesures très strictes. Mais nous n'avions pas le choix. Pendant toute la période allant jusqu'au premier vol, il n'y a pas eu une quinzaine de personnes qui étaient au courant de ce projet. Nous sommes en 1942. Dans une base isolée du désert de Californie, le premier avion à réaction américain, le Bell XP-59, est prêt pour son premier vol. Le colonel Lawrence Craigie était le premier pilote militaire à monter dans le cockpit. En ce qui concerne le premier vol, il faut savoir que ce n'était pas un premier vol habituel. Le système de propulsion n'était pas tout à fait au point et les gens de General Electric étaient extrêmement prudents. Pour ne faire courir aucun risque au moteur, ils ont limité sa puissance à 50%. Et lors de ce premier vol, j'ai dû prendre de l'élan sur 4 km avant de pouvoir décoller. Mais j'ai eu une impression de calme au moment où l'avion a quitté le sol. Avec le moteur à piston, le décollage était le moment où les vibrations se faisaient le plus sentir. Là, c'était le contraire. Bien qu'aucun des appareils de combat à réaction construits en Amérique n'ait combattu pendant la Seconde Guerre mondiale, il était clair que ce nouveau moteur était le moteur de l'avenir. Avec la défaite des puissances de l'Axe, les États-Unis et leurs alliés continuèrent de développer les appareils de combat à réaction, afin de ne jamais plus se trouver pris de court. L'apparition de l'avion à réaction était peut-être le progrès le plus important depuis le vol des frères Wright. Mais ces machines révolutionnaires exigeaient des formes nouvelles qui leur permettent d'atteindre la vitesse et l'altitude qui étaient dans leur potentiel. Au début, les moteurs à réaction furent adaptés sur les ailes existantes, perpendiculaires à la carlingue. Cela permit à l'armée de disposer d'engins puissants, comme le Shooting Star P-80 de Lockheed. Cette nouvelle génération d'appareils pouvait aller plus vite et plus haut que tous ceux qui les avaient précédés. Mais ils se trouvèrent confrontés à une nouvelle barrière, qu'on avait appelée le mur du son. Au-delà d'une certaine vitesse, il devenait instable et avait des problèmes de maniabilité qui provoquèrent la mort de plusieurs pilotes.
Le mur du son a constitué un gros problème pour les pilotes dont la carrière avait commencé pendant la Seconde Guerre mondiale. En 1943, 44, 45, nous nous étions trouvés confrontés à ces effets au cours des combats aériens. Une onde de choc se formait sur l'appareil et il était secoué dans toutes les directions. Grâce au plan retrouvé en Allemagne à la fin de la guerre, les ingénieurs américains, britanniques et soviétiques incorporèrent la technologie de l'aile en biais qui améliora les performances de leur appareil. On 1 November 1950, enemy air suddenly re-entered the war in a dangerous way. In other words, the Russian-built MiG-15s made their debut in Korea. Quelques mois après la surprenante mise au point par les soviétiques du MiG-15 à aile en biais, les Américains sortirent le chasseur-sabre F-86. Ces deux appareils puissants allaient s'affronter à maintes reprises dans le ciel de la Corée du Nord. Non seulement la guerre changea l'orientation des recherches et la forme des appareils militaires, mais elle eut aussi un effet décisif sur l'aviation civile. C'était l'époque des appareils quadrimoteurs transocéaniques. L'un des plus élégants était le Constellation de Lockheed. Il y eut aussi le DC-4 Douglas. C'était la réponse de Douglas à Lockheed. Ces deux appareils avaient été mis au point pendant la guerre et conçus pour transporter des passagers. Avec la guerre, ils servirent d'avions de transport militaire. Men and wings were needed to meet a crisis in the nation's life. Many airliners joined the army. Men and women too built new wings, wings for war. The Douglas DC-4 was transformed into the military C-54, which became the Air Transport Command's workhorse on the far-flung airways to combat fronts. Transport planes were carrying soldiers, 50 at a clip, with full equipment. Under direct military contract, experienced airline crews flew virtually any cargo, anywhere, at any time. Men of United Airlines made over 3,000 flights across the Pacific, carried 6 million pounds of cargo to Alaska. Les États-Unis étaient sortis de la guerre avec deux lignes d'assemblage d'avions de transport qui tournaient à fond. D'abord mis en service comme avion de ravitaillement en vol du KC-97, le stratocruiseur de Boeing, baptisé de fraîche date, se joignit à l'élégant Constellation de Lockheed et au DC-4 de Douglas pour former une flotte civile inégalée dans le monde. Avec un réseau international de terrains d'envol construit pendant la guerre et récemment refait, une nouvelle ère de croissance s'ouvrait pour l'industrie aéronautique. Les découvertes financées par l'armée allaient être mises au service de l'aéronautique civile pour transporter des voyageurs désireux de se rendre aux quatre coins du monde. Dès 1941, alors qu'en Grande-Bretagne, on travaillait sur les plans du chasseur à réaction Vampire, quelqu'un qui voyait déjà plus loin chez De Havilland a dit « Vous vous rendez compte que l'on pourrait doter l'aviation civile des mêmes performances que cet avion ?» British Comet.
Avec le comète britannique, sorti en 1952, on entrait dans l'ère du jet. Il faut rappeler toutefois qu'on dut retirer le comète après 2 ans de service seulement. De Havilland s'est trouvé confronté à un problème que l'on prévoyait, mais qui n'était jamais apparu avant, l'usure précoce du métal. Ça leur coûta cher. Il y eut 2 accidents dramatiques qui les obligèrent à repartir de zéro. Les autres compagnies d'aviation civile ne se laissèrent pas décourager par l'échec du Comet et continuèrent à rechercher un avion qui aille encore plus vite et plus haut. À Seattle, dans l'État de Washington, une équipe d'ingénieurs et de pilotes d'essai allait faire avancer la conquête du ciel d'un pas de plus vers le futur. En 1952, faisant un investissement risqué d'environ 16 millions de dollars, soit 25% de la valeur de la société, Boeing prit la décision de mettre au point un appareil civil adapté à l'ère du moteur à réaction. Ils baptisèrent leur prototype Dash 80. C'est le 15 juillet 1954 que le pilote d'essai Tex Johnson et son équipe effectuèrent le premier vol sur ce nouvel appareil. 3 ans et demi plus tard, cet avion, véritable tournant de l'aviation, était mis en service. C'était le Boeing 707. Pan American et Boeing ont vraiment institué l'ère du jet en 1958 avec le Boeing 707. Le monde avait les yeux tournés vers Seattle, mais aussi vers Douglas. Bien que le Douglas DC-8 ait à peu près 1 an et demi de retard sur le Boeing, Douglas était encore un concurrent très sérieux. Le succès des avions à réaction n'est pas dû, comme on le croit, à leur plus grande vitesse, mais au fait qu'ils étaient plus économiques. Le moteur à réaction présentait un bien meilleur rendement que le moteur à piston. Durant les années 60 et 70, le transport aérien s'est développé dans le monde entier. Les compagnies aériennes avaient besoin de plus en plus d'avions. Pan American et Boeing lancèrent le Jumbo Jet, un avion à forte capacité, le Boeing 747. Le 747 fut bientôt suivi par le DC-10 de McDonnell Douglas et le L-10-11 de Lockheed. L'industrie aéronautique avait fait un autre bond vers le futur. Ces nouveaux venus avaient une capacité encore plus grande et un meilleur rendement. Mais il restait encore une question. Pouvait-on les rendre plus rapides? Certains ont cru que ce qui compte, c'est la vitesse. Ce n'est pas vrai. C'est le rendement qui compte. Mais certains concepteurs ont voulu mettre la vitesse au premier plan. Et c'est ainsi qu'est né le Concorde. Ils ont cru que le Concorde allait rencontrer un succès immédiat. Simplement parce qu'il volait à 2 fois la vitesse du son. Il permettait d'aller de New York à Londres en moins de 4 heures. Ils n'ont pas pris en compte l'investissement énorme qu'il avait nécessité et qui le rendait invendable à un prix raisonnable. En l'espace d'une vie humaine, la technologie, le courage et la persévérance avaient permis aux conquérants du ciel de passer du biplan monomoteur rudimentaire à l'avion supersonique capable de transporter des passagers à une vitesse 2 fois supérieure à celle du son. Si on regarde l'évolution de l'aviation, du tout premier vol des frères Wright jusqu'à 1947, on se rend compte que pendant toute cette période, on n'a jamais dépassé 950 km/h. Mais depuis, avec l'avancée technologique, on a fait des progrès extraordinaires en vitesse et en altitude. C'est dû à la recherche. Et cette recherche s'est faite ici, à la base d'Edwards. C'est la base aérienne militaire d'Edwards qui a été choisie comme site d'essai pour les nouveaux prototypes. Les avions à réaction,
les avions-fusées ont été testés à la base d'Edwards. Le X-1 Bell, qui était conçu pour être lancé en l'air, fut le premier avion-fusée à voler aux États-Unis. Nous avions une véritable mission à accomplir avec le X-1. Aucun avion n'avait volé au-dessus de 82% de la vitesse du son. Le 14 octobre 1947, Chuck Yeager prit les commandes du X-1 Bell, le Glamorous Glennis. Il souffrait de deux côtes qu'il s'était cassées la veille en tombant de cheval. C'était le 9e essai du X-1. Quand on lui demanda s'il était prêt, il répondit « plus que prêt ». Finissons-en. Je ne m'en rappelle pas comme d'un grand jour, parce que nous ne nous attendions pas à franchir le mur du son. Nous étions passés de 80% de la vitesse du son à 84%, puis 88%, et 94%. À ce moment, nous avions rencontré un problème spécifique. L'appareil perdait toute stabilité horizontale et il devenait impossible à contrôler. Heureusement, le X-1 avait été conçu de manière à pouvoir changer l'angle d'attaque de l'aileron de stabilisation horizontale et de toute la queue de l'avion. C'est grâce à cet aileron de stabilisation que nous avons pu contrôler l'avion et atteindre Mach 1. Le reste du monde a mis 5 ans pour découvrir ça, le truc de l'aileron. Ça nous a donné une bonne avance dans le domaine de l'aérodynamique. Une autre barrière naturelle avait été franchie. Il restait maintenant à savoir jusqu'à quelle vitesse, jusqu'à quelle altitude et jusqu'à quelle distance les conquérants de l'air pouvaient faire progresser leur machine dans l'espace mystérieux qui s'ouvrait à eux. Réussir à dépasser le mur du son nous a ouvert un nouvel espace. À partir de ce moment, il n'y avait plus de limite de vitesse. Un autre prototype fut testé à Edwards. Le 20 novembre 1953, Scott Crossfield, aux commandes du D-558 de la société Douglas, atteignit Mach 2, faisant un pas de plus vers l'espace. Le D-558 nous a tous surpris. À l'origine, c'était un avion à décollage au sol, propulsé par réacteur et par fusée. Mais le lancement en vol du X-1 s'était avéré si efficace que nous avons décidé de lancer le D-558 en l'air. Ça nous permettait de partir de Mach 1,2 ou 1,3 pour atteindre Mach 2. Tout était là. Nous avons eu de la chance d'atteindre Mach 2 avec cet appareil. À Edwards, les recherches continuèrent. Les pilotes et les ingénieurs poussaient leurs engins toujours plus haut et toujours plus vite. En 1957, commença la fabrication de ce qui devait être l'avion le plus poussé, l'avion fusée X-15. Le X-15 était l'aboutissement normal du programme de recherche entrepris après la Seconde Guerre mondiale. Ce programme comprenait le développement des X-1, X-2, X-3, X-4, X-5, XF-92 et des D-55-81 et D-55-82. Au début des années 50, nous avions exploré les zones transsoniques et les zones supersoniques basses. Le X-15 a été développé parce que nous pensions qu'il était possible de faire piloter un avion-fusée par un homme. On venait de mettre au point des moteurs qui développaient une poussée de 32 tonnes. Nous voulions équiper un engin piloté par un homme avec ce genre de moteur pour savoir ce qui se passerait entre Mach 2 ou 3 et Mach 7. C'est pour ça que le X-15 a été construit. Le X-15 établit de nouveaux records de vitesse et d'altitude. Pete Knight, son pilote, vola à la vitesse de Mach 6,7, soit plus de 7200 km/h. Lors d'un autre essai, Joseph Walker atteignit l'altitude de 107 km, ce qui prouvait qu'on pouvait sortir de l'atmosphère terrestre en avion et y revenir. Les records que j'ai établis avec le X-15 étaient les premiers du genre. C'était grisant, mais j'avais eu froid dans le dos.
C'était angoissant. S'il y a des pilotes qui vous disent qu'ils n'ont pas eu peur en faisant ce genre d'essai, ils ne savent pas de quoi ils parlent. Ils n'ont rien compris à ce qu'ils faisaient. Moins de 60 ans après le vol des frères Wright à Kitty Hawk, l'homme avait réalisé un autre de ses rêves. Alors que l'équipe de recherche d'Edwards s'apprêtait à aller plus loin dans la même direction, un petit groupe de chercheurs, composé d'Allemands et d'Américains du centre de recherche Redstone, à 3000 km de là, à Huntsville, Alabama, étudiait un autre procédé destiné à envoyer un homme dans l'espace. Ce groupe était dirigé par Werner von Braun, qui prédisait hardiment un voyage sur la Lune avant la fin de la décennie. Quand je suis allé à Redstone, j'ai vu le bureau de von Braun. Je n'en croyais pas mes yeux. J'avais l'impression d'être dans Buck Rogers ou dans Flash Gordon. Sur les murs, il y avait des représentations étonnantes. Un vaisseau lunaire, une base sur la Lune, un vaisseau pour atteindre Mars, une base sur Mars, des stations spatiales, tout était là. Il est certain que la conquête de l'espace ressemble à ce que von Braun avait prévu dès le début des années 50. Je pense qu'il avait un sens aigu des relations publiques. Il a dit un jour, pour obtenir le soutien nécessaire à un véritable programme spatial, il faut faire appel au public. Et voilà que cet étranger, un de nos ex-ennemis, est allé donner des conférences aux Rotary et aux Kiwanis. Aucun d'entre nous n'avait jamais fait ça. Il a fait bouger les choses. Ce n'était pas dans la nature des scientifiques de rechercher la médiatisation. Ils trouvaient ça indigne d'eux. Eux, ils exploraient l'inconnu. C'est von Braun qui nous a ouvert les yeux. La compétition entre l'équipe d'Edwards et celle d'Huntsville devint acharnée. Chacune pensait qu'elle arriverait la première dans l'espace. Nous aurions pu aller dans l'espace en avion, et non avec un engin balistique. Mais à cette époque, nous étions entrés dans la course pour être les premiers. Et le moyen le plus rapide et le plus économique, c'était d'utiliser une capsule. Parce qu'il n'y avait pas besoin de faire autant de recherches que pour utiliser un avion. Le problème était bien sûr le retour dans l'atmosphère à une vitesse très élevée. La faible résistance des matériaux posait des problèmes ardus. Étant donné la technologie de l'époque et notre connaissance des matériaux, la technique du bouclier thermique semblait la plus sûre et la plus prudente, même si ce n'était pas la plus élégante. Nous avons pensé que notre programme de recherche sur l'avion était assez structuré et était techniquement assez avancé pour nous mener dans l'espace. Mais ce fut un événement qui se passa à l'autre bout du monde qui décida de celui qui allait être choisi pour la conquête de l'espace entre l'avion-fusée et le missile balistique. En octobre 1957, depuis les plaines venteuses du Kazakhstan, l'Union soviétique lança le premier Spoutnik. C'était un assemblage de fils et de métal qui ne pesait que 85 kilos. La mise sur orbite de cette petite boule devait changer le cours de l'exploration spatiale. Pour la première fois de l'histoire, on avait réussi à rassembler assez de puissance pour permettre à un corps de se séparer de l'attraction terrestre. Cette puissance avait été fournie par un engin balistique à nez arrondi et sans ailes. Les services d'Eisenhower, dans une réaction de dernier espoir face aux Russes, séparèrent l'aéronautique et l'espace. L'équipe qui travaillait sur les fusées fut chargée de l'espace. La différence, c'est que chez nous, il y avait quelqu'un dans les fusées. Nous ne restions pas là à les regarder partir. It is January 31st, 1958 at the Eastern Test Range in Florida. For months, a government-appointed committee of American scientists had placed their hopes of sending the United States' first satellite into space on the Navy's Vanguard missile. But with the spectacular failures of the Vanguard, America has turned toward Huntsville, Alabama, and the Redstone Arsenal to achieve their first successful satellite launch. Today,
A little over 3 months after Sputnik was sent into orbit, the United States has countered with its first successful orbital satellite, Explorer 1, which was carried into space atop the Von Braun team's Jupiter C missile. La course vers l'espace était en route avec comme objectif la Lune. Le premier vol de Sputnik avait provoqué la stupeur en Amérique. Nous étions seconds. Puis les Soviétiques ont lancé des engins avec des chiens à bord. Le 7 octobre 1958, un an et trois jours après le lancement du premier Sputnik par les Soviétiques, naquit le programme Mercury. L'Amérique entreprenait ainsi officiellement de lancer un homme dans l'espace. As Project Mercury got underway, production of Redstone launch vehicles began at the Marshall Space Flight Center. Careful, individual production of vehicles earmarked for Mercury from the day the first bolt came into the plant. Le prototype développé avec le programme Mercury n'était pas un engin comme les autres. Chuck Yeager l'avait surnommé la boîte de conserve. Nous le considérions comme le chaînon entre le singe et l'homme. Mais il n'avait pas vraiment besoin d'être piloté. Les premiers pilotes d'essai de Mercury et Gemini trouvaient qu'ils n'avaient pas grand-chose à faire en comparaison avec les pilotes du X-15. En avril 1959, sept hommes allaient devenir les nouveaux héros du XXe siècle. Alan Shepard, John Glenn, Gus Grissom, Scott Carpenter, Wally Schirra, Gordon Cooper et Dick Slayton furent désignés pour composer la première équipe d'astronautes américains. Tout à coup, nous sommes devenus célèbres. J'étais lieutenant, je pilotais un F-4, comme pas mal de gars, et du jour au lendemain, je suis devenu quelqu'un de quasiment unique. Nous sommes allés tous les sept à la base d'Edwards, où nous avons rencontré Scott Crossfield, que j'ai toujours admiré. Il nous a regardés de haut en nous disant... Pourquoi êtes-vous si célèbre? Vous n'avez encore rien fait. Et c'était vrai. Mais c'est comme ça que nous avons été reçus. Ça nous a rapprochés. Nous sommes devenus des frères et nous le sommes toujours. Nous sommes au début du printemps 1961 à Cap Canaveral. Les astronautes américains du projet Mercury font des paris sur celui d'entre eux qui sera le premier dans l'espace. Tout est prêt. C'est une alliance extraordinaire de technique et de puissance pure. La fusée attend sur la rampe numéro 5. Pendant ce temps, en Union soviétique, Youri Gagarin s'apprête à ébahir le monde. Le 12 avril, à 9h07, heure de Moscou, il est envoyé dans l'espace. Plus tard, il dira « J'ai bien regardé, mais je n'ai pas vu Dieu ». Werner von Braun, dépité, fit remarquer que lorsque les Américains arriveraient sur la Lune, il leur faudrait passer par la douane soviétique. Le vol de Youri Gagarin, le premier vol habité dans l'espace, captiva l'attention des gens dans le monde entier. Mais il donna un coup de fouet au programme américain. Les Soviétiques venaient de battre les Américains dans l'espace pour la deuxième fois. La première fois avec le satellite, la deuxième avec le premier vol habité. May 1st, 1961. Less than 2.5 years from Project Mercury initiation. Countdown for a manned flight was in progress. And that's a day that you will never forget. La presse et le public étaient fascinés par cette course vers l'espace et vers les mystères du ciel. La presse s'intéressa à nous. Mais en fait, nous sommes devenus des héros simplement parce que nous avons été volontaires pour remplacer des chimpanzés. C'est tout. Je ne me considère pas comme un héros pour autant. Nous en plaisantions entre nous. À cette époque-là, nous recevions des télégrammes de la SPA nous demandant d'arrêter les vols expérimentaux avec les singes. Alors on a fait voler Alan Shepard. Il n'aime pas trop le raconter. Le 5 mai 1961,
Alan Shepard s'envola de Cap Canaveral sur le missile Freedom 7, conçu par Von Braun. Son vol suborbital ne dura que 15 minutes, mais Shepard était le premier Américain à sortir de l'atmosphère à bord d'une capsule. Un Américain était allé dans l'espace. L'Amérique était plus que jamais déterminée à prendre la tête de la course vers la Lune. I believe that this nation should commit itself to achieving the goal before this decade is out of landing a man on the moon and returning him safely to the Earth. No single... Moins de 9 mois plus tard, le 20 février 1962, des dizaines de millions de téléspectateurs purent voir John Glenn monter dans le ciel à bord de la capsule Mercury pour effectuer 3 révolutions autour de la Terre. Le vol allait durer 4 heures et 55 minutes. Glenn était le premier astronaute américain à voir le soleil se lever et se coucher à une distance de 320 km de la Terre. John Glenn devint un héros national. De plus, l'objectif initial du programme Mercury, mettre un homme sur orbite, était atteint. Après 3 autres vols réussis par Mercury, ce fut le tour du programme Gemini qui devait faire avancer l'homme d'un pas de plus vers la Lune. Après Mercury et le vol de Shepard, le président Kennedy s'engagea à faire débarquer un homme sur la Lune. C'était un énorme bond. Gemini fut une étape intermédiaire. Il y avait un certain nombre de choses que nous ne comprenions pas suffisamment pour faire l'économie de ce programme. Gemini était donc une étape intermédiaire entre Mercury et Apollo. Le programme Gemini n'était qu'une étape, mais chacun des 10 vols qu'il comportait fascinèrent l'imagination du public. Des milliers de spectateurs regardèrent Ed White sortir dans l'espace lors du vol Gemini 4. Relié par un cordon à la capsule, White resta 22 minutes dans l'espace. Right now, I'm standing on my head, and I'm looking right down. It looks like we're coming up on the coast of California. 6 mois plus tard, en décembre 65, sur Gemini 7, Frank Borman et James Lowell établirent le record de durée en vol dans l'espace avec 14 jours et réalisèrent l'objectif initial du programme Gemini, le premier rendez-vous sur orbite avec Gemini 6, piloté par Wally Schirra et Tom Stafford. Lors de ce vol sur Gemini avec Stafford, nous avons rejoint Gemini 7, c'était notre destination. Gemini 7 tentait de prouver que la capsule pouvait rester 2 semaines dans l'espace, le temps qu'il fallait pour aller dans la Lune et revenir, 11 jours. 3 jours pour y aller, 3 ou 4 sur place et 3 jours pour revenir. Il fallait que les engins et les hommes tiennent pendant cette durée. Mais rien n'était joué, Cooper était resté 24 heures dans l'espace sur Mercury, mais c'était tout. Et finalement, le programme Gemini fut un succès total. La route vers la Lune se poursuivait. Comme l'avait promis le président Kennedy, le projet Apollo devait faire débarquer un homme sur la Lune avant la fin des années 60. Mais la question restait posée. Qui y parviendrait le premier ? Ce fut une période de compétition acharnée. Nous essayons désespérément de rattraper notre retard. Je pense que nous y sommes parvenus avec Gemini et que nous avons même dépassé les Soviétiques à cette époque. Mais nous craignons encore qu'ils nous battent. Je m'en souviens comme d'une époque d'incertitude. Avant même le premier lancement d'Apollo, une catastrophe allait frapper le programme spatial américain.
Le 27 janvier 1967, lors des derniers préparatifs de ce qui devait être le premier vol en portant des hommes, un incendie éclata à l'intérieur du module de commande, tuant les trois astronautes, Gus Grissom, Ed White et Roger Chaffee. Mais comme les autres tragédies de la conquête du ciel, cette catastrophe allait renforcer la détermination des autres astronautes à réaliser le rêve qu'ils partageaient avec les victimes. Après quatre vols Apollo réussis, préparant le débarquement sur la Lune, Apollo 11 attendait pour s'élancer dans l'espace et concrétiser le rêve ultime de l'humanité. Le monde entier retenait son souffle. L'espoir qui reposait sur Apollo 11 était extrêmement intense. Kennedy s'était engagé à ce que notre pays réussisse à faire débarquer un homme sur la Lune. Mais l'Amérique n'était pas seule en course. Alors qu'Apollo se préparait à l'unir, les Soviétiques avaient déjà réussi à poser en douceur sur la Lune un engin inhabité, le Luna 9. Nous ne nous doutions pas que les Soviétiques étaient eux-mêmes prêts à tester un énorme lanceur dans le Kazakhstan. Et le temps continuait de passer. Nous craignons qu'il arrive quelque chose qui nous empêche d'atteindre l'objectif. À moins d'un événement inattendu, nous allions être les premiers à réaliser la plus grande aventure de tous les temps dans le domaine de l'exploration et de la technique. Engine ready, light on. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, engine sequence start. 1, 0, launch commit. We have a Nous avons arrêté le moteur, vérifié que tout était normal, éteint la plupart des instruments de bord, puis Neil et moi, nous nous sommes regardés. Et je lui ai donné une tape dans le dos. À cet instant, nous nous sommes rendus compte que nous avions réussi ce dont l'humanité rêvait depuis si longtemps. Nous avions la chance d'avoir été choisis pour mener à bien cette merveilleuse entreprise. Quand nous nous sommes trouvés sur la Lune, l'expression « désolation magnifique » m'est venue naturellement.
Je n'y avais pas pensé avant, mais je trouvais qu'elle exprimait bien la beauté de ce que nous avions accompli en tant qu'être humain et en même temps la désolation qui nous entourait. C'était un paysage à la fois pittoresque et complètement désolé que personne n'aurait imaginé. July 24, dawn in the Pacific. Apollo blazes across the heavens, coming back to Earth at 25,000 miles an hour. President Richard Nixon, who had talked with the astronauts by telephone while they were on the moon, was waiting aboard the recovery carrier to welcome the returning voyagers. Shortly after we took a shower and relaxed. À notre retour sur le porte-avions, nous avons pris une douche et nous nous sommes reposés. Nous avons regardé des émissions de télévision qui avaient été enregistrées pendant notre vol. Quand j'ai vu les images, j'ai dit à Neil, regarde, nous avons tout raté. Ce que je voulais dire, c'est que ce qui s'était passé de plus important n'était pas là-haut, mais sur Terre. Je le dis maintenant avec un peu de recul, ce qui est important, c'est ce qui s'est passé dans l'esprit des gens sur la Terre. Après Apollo 11, il y eut 5 autres missions Apollo sur la Lune. À la fin du programme, en tout, 12 hommes avaient marché sur la surface du plus proche voisin de la Terre. Le dernier, en 1972. Of what our feelings are, what the feelings of the Apollo program are, and a symbol of mankind that we can live in peace and harmony in the future. La course vers la Lune était terminée, mais le rêve du siècle n'était pas pour autant abandonné. Avant même les derniers vols Apollo, le projet des premiers pilotes de fusée d'Edwards avait vu le jour, la navette spatiale. Le 12 avril 1981, 20 ans après le premier vol sur orbite de Yuri Gagarin, commença le compte à rebours de la première navette spatiale américaine, Columbia. 14, 13, 12, 11, 10. We have a go for main engine start. 6, 5. We have main engine start. 3, 2, 1, 0. We have solid rocket booster ignition and liftoff. Les pilotes John Young et Robert Crippen s'élevaient dans le ciel à bord d'une machine d'un type nouveau, développant une poussée de 3380 tonnes. À une altitude de 100 km, Columbia se mit en orbite basse. Puis, ayant atteint la vitesse de Mach 25, Young et Crippen se placèrent sur une orbite plus élevée, à 200 km, et commencèrent la première de leurs 36 révolutions autour de la Terre. Ces nouveaux records de vitesse et d'altitude, pour un appareil à ailes, faisaient écho aux paroles de Chuck Yeager, Pete Knight et Scott Crossfield, au-dessus de la base d'Edwards, où devait se poser la navette après son premier vol dans l'espace. When we got our hands on the X-1, that opened up space to us. We could have ridden into space on wings as opposed to a ballistic re-entry or a capsule approach. The fact of the matter is that we proposed an orbital version of the X-15 in 1958. With the shuttle in... La navette est en fait un avion spatial. Le rêve des pionniers de l'astronautique, c'était de partir dans l'espace sur un engin et de revenir sur le même engin. Et la navette, c'est ça. C'est un engin qui décolle d'Edwards ou de Cap Canaveral et qui y revient. Plus de 150 astronautes dans le monde ont volé dans l'espace, explorant l'inconnu. Ce fut une expérience qu'aucun d'entre eux n'oubliera.
Le décollage est quelque chose d'incroyable. C'est ce que je connais de plus impressionnant. Non pas à cause de la violence, mais parce que c'est complètement différent. On subit des vibrations violentes pendant les deux premières minutes, jusqu'à la séparation des propulseurs d'appoint. À partir de ce moment-là, tout se calme. On est propulsé par les moteurs de la navette. C'est une expérience extraordinaire de voler dans l'espace. Je ne suis pas sûre que les mots existent pour la décrire. Ce n'est pas simplement la sensation de ne plus avoir de poids qui est étonnante. Tout ce qu'on y voit nous renvoie à notre insignifiance. J'en garde le souvenir de quelque chose d'extrêmement marquant et complètement incroyable. Penser que des hommes ont mis au point un engin capable de les mettre sur orbite et de les ramener sur Terre avec un niveau de sécurité relatif. Quand on est en haut, on a l'impression que c'est normal. Mais lorsque l'on réfléchit à toute la préparation, à toute l'énergie qu'il a fallu pour vous y amener, c'est étonnant. Étonnant que nous autres, petites créatures bipèdes, ayons réussi à maîtriser l'énergie nécessaire pour y parvenir. Pour moi, personnellement, le vol dans l'espace a été une expérience très forte, sur le plan émotionnel et psychologique. Voir la Terre comme très peu de gens jusqu'à aujourd'hui en ont eu l'occasion, regarder la courbure terrestre, se rendre compte de l'isolement de la Terre dans l'espace, c'est le genre d'expérience qui marque. Ça vous rend humble et vous inspire d'autres pensées. Ça m'a fait réfléchir à la création et au Créateur d'une façon que je ne m'étais pas imaginé. C'est une expérience très forte. Les vols de la navette ont transformé un peu plus la conquête du ciel en une conquête de l'espace. Ils se sont aussi révélés d'une grande utilité pour toute l'humanité. Ils ont permis de mettre sur orbite des satellites de communication, le télescope Hubble, premier observatoire de la NASA dans l'espace, et de lancer des engins d'exploration interplanétaire, comme Galilée et Magellan, qui nous enverront des images de Jupiter et de Vénus. Et grâce à elles, des recherches scientifiques d'une valeur inestimable ont été effectuées, dont les résultats bénéficieront à tout le genre humain. Mais il y a eu aussi des drames. Le 28 janvier 1986, la navette Challenger devait emmener dans l'espace, pour son 10e voyage, un équipage de 7 personnes, parmi lesquelles se trouvait Christa McAuliffe, à qui on avait décerné le titre de professeur de l'espace. 73 secondes après son décollage de Cap Canaveral, la fusée explosa, tuant tous les membres de l'équipage. Une fois de plus, des hommes et des femmes, assez intrépides pour vouloir réaliser leurs rêves, ne s'élèveraient plus jamais dans le ciel. Une fois qu'il est découvert, l'espace qui nous entoure ne peut plus être ignoré. Depuis le début de la création, l'homme a suivi son rêve de conquête. Tout comme De Vinci, Montgolfier, Cayley et les frères Wright ont suivi le leur, l'humanité continuera l'exploration du monde inconnu de l'espace intergalactique. Je crois que le destin de l'homme est d'aller dans l'espace. L'homme a toujours été là où il pouvait aller. Il est aujourd'hui capable d'aller sur Mars et je crois qu'il ira. Je pense que nous devons retourner sur la Lune et ensuite seulement aller sur Mars. J'espère que nous retournerons sur la Lune bientôt et que vous et moi, nous vivrons assez pour voir l'homme aller sur une autre planète. Je pense que ce sera Mars. Je pense que pour l'avenir prévisible, il faut d'abord lancer une station spatiale. À partir de là, nous verrons si nous pouvons aller plus loin. Un vol vers Mars est moins un objectif qu'un début. C'est la contribution de notre génération à un vol d'exploration plus long qui pourrait aboutir à ce qu'il y a de plus fascinant pour l'imagination, une rencontre avec d'autres mondes.
La conquête de l'espace est faite d'utopie, d'espoir et d'opiniâtreté. Elle nous rappelle que le rêve perdure et vivra encore longtemps. Pourquoi l'homme explore-t-il ce qui l'entoure? Je vais vous donner une réponse un peu simpliste. Elle n'est pas très originale. On y va parce que c'est là. Une lycéenne a mis en légende un dessin qu'elle a fait pour la NASA. Nous ne saurons jamais si nous n'y allons pas. Les êtres humains sont curieux de nature. Si nous n'allons pas voir, nous ne connaîtrons jamais la réponse. Eliot a dit : nous poursuivrons notre exploration sans relâche et à la fin, nous nous retrouverons à notre point de départ, comme si nous y venions pour la première fois. J'aime cette citation car elle a deux dimensions : l'exploration en quête du savoir et le retour avec la sagesse pour le bien de la planète.